Yvon, tu es propriétaire de cette Rosalie depuis 1981. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, c'est un peu une longue histoire, c'est plutôt un coup de cœur. Et à l'époque, je roulais avec une traction, une 11 légère, et je revenais de chez mes parents au-dessus d'Elbeuf, et en passant à Louviers, j'ai vu cette voiture-là à vendre sur le bord de la route. Et avec ma femme, on connaissait pas du tout ces styles de voitures-là, les caisses carrées, je connaissais, mais sans plus. On était à la voir, on a flashé dessus, le moteur ne fonctionnait pas, et on l'a acheté. Donc en gros, j'ai revendu ma traction pour acheter la Rosalie. Mais après, il y a eu l'histoire de la vie, le travail, 4 enfants, une maison à construire. Donc la voiture a été mise de côté et j'ai commencé à la refaire il y a 10 ans. Quand mon grand s'est marié, il m'a dit « Papa, la voiture, elle est pas faite. » Je dis « Non, je vais l'attaquer. » Mais donc j'ai commencé à l'attaquer comme ça et j'ai surtout attaqué quand j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi. Quoi.